Salut à tous, c'est Apple Team Farm pour un nouveau tuto, et cette fois-ci ce sera un tutoriel pour comment prendre un screen et le modifier. Alors comment prendre un screen? Alors, par exemple, vous voulez le prendre, on va prendre par exemple mon SRAM, je vais le mettre ici. On va le mettre en plein écran. Vous appuyez sur votre touche sur votre clavier, qui se trouve normalement, si vous avez un clavier français, à droite de la touche F12, ça s'appelle IMPR écran. Système, cliquez dessus. Ensuite, vous allez, donc là, dans le champ de fiscalité, ce que vous voulez du moment, voilà. La touche, voilà, vous appuyez dessus. Vous allez dans Paint, ou vous l'avez dans tous les programmes si vous ne trouvez pas. Vous mettez coller. Voilà, vous avez votre image. Vous cliquez sur rogner. Enfin, je vais prendre cette zone. Hop là. Vous restez appuyé, vous choisissez. Voilà. Si vous faites clic droit, couper. Sélectionnez tout, supprimer et coller. Vous mettez rogner encore, et voilà. Vous mettez enregistrer, SRAM test, je vais appeler ça. Vous fermez photofiltre, paint. L'image est sur votre bureau. Là voilà. Maintenant on va prendre l'image, la faire glisser sur photofiltre. Pas sur photofiltre. Vous pouvez changer les couleurs avec tout ce qui est ici là, pour faire des effets. Sinon moi je mets déjà un calque. Que j'ai choisi, moi je ne sais plus quel calque, vous prenez un calque, moi il est déjà enregistré, vous mettez OK, là vous choisissez la couleur et l'opacité, OK, là ça fait comme ceci, vous mettez enregistré, vous fermez, et voilà vous avez un screen. Et par exemple si vous voulez modifier, quand on est sur photofiltre, modifier les couleurs par exemple, faire des petits effets, ça peut être sympa, faire des images comme ça, pour faire n'importe tout ce que vous voulez. Contraste en moins, voilà, par exemple, faire ressortir les couleurs. Voilà. Il y a plein de choses à faire, c'est marrant. Voilà. C'était mon petit tuto, comment faire un screen et modifier. À plus.